C'est la fin d'un long calvaire pour la famille. Après plus de 5 heures de délibération, le coup prétombe. Les 5 tortionnaires de William sont condamnés à des peines allant de 19 à 30 ans de réclusion. La justice française, il y a quand même une justice dans notre pays. Ils ont eu des sentences vraiment à la hauteur de ce qu'ils ont fait. Et vraiment, mon fils pourra reposer en paix. Mon fils, il monte au ciel, le cœur allégé. Et nous, on pourra faire notre deuil, en fait. Enfin, c'est fini, grâce à Dieu. La justice, elle a passé, j'en suis heureux. Vous êtes un peu soulagé, ce soir? Ah oui. J'avais peur qu'ils prennent, qu'ils sortent. Hein. Pendant tout le procès, l'avocat de la famille Modolo a insisté sur la culpabilité de tous les accusés. Les jurés semblent l'avoir entendu. Toutes les culpabilités ont été retenues. Et ensuite, parce que les peines sont à la hauteur des faits. Jean-Pierre, le chef désigné par les autres accusés, est condamné à 30 ans de réclusion, dont 20 ans incompressibles. Une peine inférieure aux réquisitions. L'avocat général avait requis la peine maximale, la prison à perpétuité. Je pense que la sincérité depuis le début de cet homme qui effectivement a tout reconnu, c'est une sincérité qui a payé dans la mesure où effectivement il n'a pas eu le maximum qui avait été requis. Certains avocats de la défense ont déclaré hier vouloir faire appel de cette décision. Il pourrait donc y avoir un second procès Modolo.